Après une première sortie au stade mythique de Lonka pour le compte du championnat de vacances dénommé Bundesliga New Look 2024, le club Frank Football Academy n'a pas pu rectifier le tir lors de son deuxième match, battu 2-3 face à Stade Police. Moi, j'ai trouvé l'adversaire un peu plus performant que nous. Ils nous ont dominé un peu à la première mi-temps, quelques minutes, la 15 minutes, ils nous ont dominé. Mais sinon, tout le reste du match était parfait. Vers la 95e, le 13 de temps, une minute d'état additionnel là, 3 minutes, ils nous ont dominé sur tous les points. Mais vraiment, on a tenu tout le match. Mais pour le prochain match, vraiment, on va beaucoup travailler. Non, ils ont bien joué, ils ont sorti le ballon au pied. Et ils avaient les couloirs qui nous menaçaient un peu là. On n'a pas su les gérer. Ce qui est là, c'est qu'on doit juste travailler. Tout ça, c'est le travail. Parce qu'on doit bosser. Mais pour plus avancer. Une rencontre âpre et très disputée entre les deux équipes qui se sont données à cœur joie sur le terrain. Les uns et les autres apprécient la rencontre. On a rivalisé tactiquement et techniquement. C'est passé aujourd'hui, on a gagné, on se devait de rentrer dans la compétition. On a fait un bon match, on a pris les 3 points d'aujourd'hui. Il va falloir faire mieux pour la suite de la compétition. Donc, au deuxième sortie, on a encore fait un mauvais sortie. Oui, c'est le sport. Rien n'est encore joué. On reste encore positif. On reste encore positif. Vu que c'est l'académie qui dit académie, dit l'école. On va rentrer, on a pris les leçons. On va rentrer, on va continuer à travailler. On va faire travailler les enfants sur ce qui n'a pas marché. On aura déjà le feedback du stade, de notre match de ce soir. Il y a beaucoup vraiment à corriger. Rien n'est encore terminé pour la jeune académie qui poursuit son évaluation de ses joueurs avec l'objectif d'écrire son nom dans l'histoire de la Coupe du Monde des championnats de vacances dans le département du Fundi.